La troisième édition de la Semaine africaine des sciences a débuté ce samedi 19 octobre au lycée technique de Bamako. Le thème de cette édition est « Impulser le pouvoir de la science ». La première activité de la semaine visait donc à faire prendre conscience du rôle des sciences dans les écoles. Cette journée a été marquée par plusieurs expérimentations. La première concernait la manipulation des produits chimiques. Elle a été réalisée par Dr. Abdoul Doulia et son équipe. Le but était de montrer aux élèves l'utilité de ces produits chimiques dans la vie courante. Nous avons présenté quelques expériences sur les acides et les bases en présence d'indicateurs colorés pour faire savoir aux enfants, pour que les enfants touchent des yeux ce qu'ils entendent tous les jours. C'est-à-dire qu'un indicateur, c'est une substance qui peut changer de couleur qu'en présence d'un acide ou d'une base. Donc on a eu à présenter trois indicateurs colorés. La phénolphtaline, le chlorobromocriazol et l'héliantine en présence d'acide et de base. Et on a fait voir aux enfants les différentes couleurs que ces indicateurs-là peuvent présenter. La seconde présentation a été faite par le jeune Haruna Amadoun qui a présenté son projet de parking automatique qu'il a conçu afin de faciliter la circulation dans les aéroports. L'équipe nationale de robotique a également pris part à cette activité. Pour la Semaine africaine des sciences, le Next Einstein Forum, nous venons de faire une présentation de notre projet à Irisou, le projet qui nous a permis d'avoir la deuxième place parmi des dizaines de pays africains au Ghana. À travers l'expérience, on a su que vraiment les jeunes sont intéressés par la science, surtout les filles. Et vous allez voir les vidéos qui peuvent prouver. Et on peut estimer le nombre à une centaine de personnes. La Semaine africaine des sciences organisée par le Next Einstein Forum se déroulera du 19 au 24 octobre 2019. Plusieurs activités sont au programme, notamment une conférence sur le rôle des sciences et techniques dans l'instauration de la paix, une conception et compétition en robotique, une formation sur la gouvernance de l'Internet, une journée sur la relève scientifique du Mali, une initiation à la communication scientifique et une excursion sur les sites géologiques de Sibiu.